ça a été fondé en 1984. C'est mon père qui l'a fondé. Avec ma mère, à l'époque, il était seulement deux dans l'imprimerie. Puis ensuite de ça, ils ont rajouté quelques employés. Puis nous, on a décidé de prendre la relève il y a une dizaine d'années de ça. Puis on a acheté cette année. Moi, j'ai été élevé là-dedans, donc ça m'a toujours attiré. Je savais que ma femme était pour devenir comptable. Je trouvais que c'était un bon mix entre ses talents de comptable puis l'habitude que j'avais de travailler dans le domaine. Alors, on a décidé de relever le défi. L'offset, c'est une façon d'imprimer. Grosso modo, on brûle une plaque de ce type-là. L'image qu'il va y avoir sur cette plaque-là, on va la reproduire sur un blanchet. Donc, elle va être à l'envers sur le blanchet, puis la feuille va passer. Elle va se faire squeezer sur le blanchet, puis il va y avoir une impression sur la feuille après. Alors, il y a juste où c'était ouvert qu'on voit, on voit l'image. Puis c'est cette image-là qu'on va retrouver sur le papier. C'est des presses offset, fait que c'est tout papier, napperon, dépliant, carte d'affaires, enveloppe. Des formules en continu aussi, des articles promotionnels. L'impression grand format peut faire des bannières, des étiquettes en rouleau. Un peu de tout, dans le fond, là. Tout ce qui est imprimé sur papier... ou les articles promotionnels ont fait ça aussi. On voit ici l'intérieur d'une unité de quatre couleurs. On voit la plaque qui est installée. C'est sur cette plaque-là qu'on a l'image de base. Elle va se reproduire sur le blanchet, qui, lui, va reproduire l'image sur la feuille de papier. C'est le principe de l'impression offset. On voit ici le cylindre d'impression, puis ici, c'est le cylindre porte-blanchet. Alors, la feuille va passer entre le cylindre d'impression et le porte-blanchet, et c'est là que va s'effectuer l'impression. Qui finalise. Qui va donner ça pour finaliser. Et surtout la région de Thetford, mais on a aussi des clients à l'extérieur. On a quelques clients à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, puis dans les environs, là, mais surtout 80 % à Thetford. Ça, c'est l'impression grand format. Elle peut imprimer du papier, elle peut imprimer du vinyle, elle peut imprimer des bannières, elle peut imprimer des tissus, sur certains tissus. On a investi dans le grand format. On a aussi investi dans une presse offset deux couleurs qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on avait avant, qui permet de passer 10 000 feuilles à l'heure, ce qui est assez rapide pour une presse de petit format. On a parlé de grand format tantôt. On en a un bon exemple ici, là. On est l'imprimerie la plus complète en région parce qu'on offre toutes les gammes de produits, l'impression sur papier, l'impression grand format, les articles promotionnels. Étant donné qu'on est plus gros, on a des meilleurs prix pour le papier. Donc, on peut offrir des meilleurs prix aux clients. Service est rapide. Avec ses parents, on a des personnes beaucoup expérimentées. On aimerait prendre plus de produits promotionnels. On veut faire une salle de montre. On aimerait agrandir nos formats de presse. C'est un petit peu à ça qu'on rêve depuis quelques années pour devenir encore plus compétitif sur les prix. Puis on pourrait aussi augmenter en même temps le nombre d'employés. Je pense que c'est un peu à ça qu'on rêve, puis c'est vers ça qu'on s'en va.